matin, on vient de se lever, magnifique lever de soleil, il est 6h36, on s'en va chercher la voiture qu'on a louée pour une semaine ce matin. Yannick puis Martine arrivent, on commence notre cours Advance, on va plonger intensif, 2 plongées par jour. On est bien excités de ça, on adore plonger, moi puis Véro. Puis là, on va être certifié Advance, fait qu'on a bien hâte, on vous amène avec nous autres, c'est parti! On est en attente du monsieur pour la location d'auto, notre deuxième auto ne démarre pas ce matin. La dernière fois, on avait eu un problème avec le pneu, puis il y a quelques autres problèmes. Cette fois-ci, il démarre juste pas. Puis là, c'est ce matin qu'on s'en va chercher Martine et Yannick à l'aéroport. Heureusement, on était d'avance, donc ouais. On n'est pas en retard encore. C'est ça qui arrive quand que tu prends des autos de location moins chères. Des fois, il y a des petits problèmes comme ça, ça fait partie... Ça fait partie de la vie. C'est 28 Canadiens par jour, avec assurance inclus. Donc, c'est vraiment pas cher, mais les autos sont pas en très bon état. Mais le gars, il est super fiable. Il vient partout sur l'île, c'est un problème, il change de voiture. Comme là, il est ici dans 15 minutes. Il est vraiment efficace, vraiment gentil. Fait qu'on lui donne sa chance. Puis, on devrait être correct, mais c'est juste drôle. À suivre! Vincent qui était en route en même temps que le monsieur s'en venait. C'était juste le RPM qui était trop bas, il révolutionnait pas assez haut, donc il éteignait tout seul le véhicule. Fait qu'il a réparé ça sur le spot, fait que tout va bien, on est en direction de l'église. Parce que ici les églises, tu peux faire des donations, puis on avait du linge, des poils, un paquet de trucs à donner depuis notre gros ménage. Ouais, c'est encore tout bon, on peut pas jeter ça, là, c'est bonnes bon. Affaires, du bon linge, tout, donc on va aller porter ça à l'église. On va aller porter le laptop pour faire réparer, aller à la douane aussi, avant d'aller à l'aéroport. Fait qu'on a une couple de trucs à faire, mais on n'a pas trop perdu de temps, on est bien content. On est en face du magasin Tapirama. Okay, on aurait pensé que c'est un magasin de tapis, mais non, pas du tout. L'endroit où ils peuvent commander les laptops, ils vendent aussi de l'électronique. Puis là, la bonne nouvelle, c'est qu'ils vont nous commander un écran pour notre ordinateur principal, là, celui qui est une bombe, qui est super bon pour le montage vidéo. Qu'on utilisait avec la télé et le fil HDMI, mais là, la télé, c'est un dinosaure, là, fait que on commençait à penser de devoir racheter une deuxième écran. J'avais contacté comme 20 dépositaires HP, Best Buy, il n'y en avait pas non plus, en tout cas, il n'y en avait pas de nulle part, ça fait des mois que je cherche, puis là, ici, lui, il peut en trouver une, en tout cas, c'est... On capote, vraiment, là, wow! On va savoir dans 14 jours l'écran, puis ils vont la changer sur place, on est vraiment contents. On est encore devant l'aéroport de Curaçao. Ça va être l'endroit où on a le plus reçu de gens par avion. Vous êtes dans la même place, dans le fond. Ouais. On a reçu Loïc, on a reçu Samantha, Martine. Là, Martine revient. Une deuxième fois. Deuxième fois avec notre instructeur de plongée, Yannick, qu'on attend à l'instant. Puis il y a Amy qui va revenir avec mon neveu Tommy. Nos amis sont sur le point d'arriver d'une minute à l'autre. C'est tous des Québécois qui sortent du vol en ce moment. Et on a bien hâte de les voir. On a loué une voiture, elle est stationnée droit devant, on vous laisse deviner. La plus laide. Okay. La plus laide. L'indice, c'est la plus laide. On va aller. Ça doit être la noire là. C'est ça? Non. Non. Ce n'est pas Yannick. C'est pas celle-là, Yannick. Il y en a une plus laide encore. Dans la première rangée. Non. Ça, c'est beau ça, c'est flambant neuf ça. C'est un camion, une voiture? C'est une voiture. Toi, quand tu vas passer devant, tu vas savoir c'est elle. Ah, ben Pierre! C'est magnifique! Voici la voiture dans laquelle vous allez toute la semaine. Regardez-moi, une Matchwix 2 tons. Mission accomplie! Après une annulation de vol, la panne d'auto, la panne à matin, en pleine nuit, leur vol a été cancellé, il a fallu qu'ils gèrent ça, puis ils sont ici maintenant. On a réussi! Cheers! Belle semaine de plongée, guys! Yes. Ah, mais notre location vient de rendre l'ordre, sur l'autoroute. Il a complètement arrêté, Véronique était dans le fond. Puis le moteur a sauté, d'après moi, ça a bouclé. C'était stressant, là! Oh my god! C'est ça qui arrive quand tu loues des voitures, mais en même temps, on n'a pas le choix parce qu'on va plonger, puis une voiture neuve, ils te laissent pas louer ça avec le stock de plongée. Tu mouilles tout le char, le sel. Faut louer une vieille voiture, mais on est tout le temps en panne. Vraiment gossant, là. Véronique est en train de s'y écrire, va venir nous porter une autre voiture.
Yann, pas trop dur cette hike pour toi? Écoute, à date, on a un dénivelé d'à peu près 8 pieds. Je pense pas avoir le mal des montagnes. Non? Non, il n'y aurait pas payé. Moi, puis Yannick, on a fait le camp de base d'Everest ensemble. Fait que ce hike-là, pour nous, c'est relax. Alors, il manque un 15 000 pieds avant d'avoir un mal des montagnes. Fait qu'on devrait être pas payé aujourd'hui. Ouais, ouais. Pousse même dans la roche. Ça pousse n'importe où. Ici, il y en a beaucoup. Il y en a partout. C'est vraiment différent de ce qu'on est habitué de vivre. Yannick, qu'est-ce que t'en penses des cactus? C'est vraiment des beaux cactus. Non, pas toi, père. Ah. Yannick, qu'est-ce que t'en penses? Peu de commentaires. Je suis même pas sûr que c'est un cactus, en fait. Je regarde ça de même. Mais qu'est-ce que t'en penses? Je vais aller toucher voir si c'est un cactus. La verdure. Comment tu le trouves? Sa verdure. Verdoyante. Ses épines sont bien distribuées. Bien épinées. Bien épinées. Je ne vais pas tomber là-dedans. Non. Bon, ben on continue la hike. C'est ça. On se lève, il est 7h. On s'en va faire deux dives aujourd'hui. Et on s'en va rejoindre nos amis Mowgli. Puis on va plonger avec eux autres. On s'en va dormir sur le cater. On fait vivre ça à Martine. Yannick, boit son petit café. On est en mission Tetris ce matin, parce qu'on a une petite voiture, 4 portes, puis on s'en va loin, donc il faut amener 8 bonbonnes de plongée, tout le stock, la bouffe, les sacs, parce qu'on couche à bord de Mowgli. Il reste ça à rentrer, les vestes, puis l'auto, ben ça va avoir l'air de ça, les palmes en dessous des bancs,
Il y a du stock partout, les wetsuits, les bottes, c'est ici, il y a des palmes aussi. Est-ce que ça va tout rentrer? Oui, j'espère. Il reste juste une bonbonne, fait qu'il reste tout ce côté-là. On va rentrer. Vous vous rappelez de nos amis Mowgli? On est à bord de leur catamaran aujourd'hui. Ils nous ont invités. Ils sont donc gentils, hein? C'est un plaisir de vous savoir. Puis là, vous autres, depuis qu'on vous a initié un peu à la plongée, vous avez replongé, vous avez fait votre cours. Oui. Vous êtes rendu à combien de plongées? C'était notre 10e plongée aujourd'hui. Déjà. Wow! Ouais. Fait que je me trouve bon, là. Ben, on s'améliore à chaque fois. Oui. C'est comme la voile. Toujours, c'est un processus évolutif, là. Exact. Voilà. Si c'est le fun de plonger du bateau, là, le wall, il est juste là. Fait que c'est vraiment le fun, là. Ouais. C'est notre première qu'on plonge à 6 aussi. Oui. Ouais. On n'a jamais plongé en gang, c'est le fun. En gang. Non, on n'avait jamais. Belle expérience pour nous. Oui, vraiment. Merci les amis! Ah, merci à vous! Puis on s'en va au souper! On a terminé notre certification Advance. Il ne manque plus qu'à remplir un petit examen. Puis Yannick va nous certifier sur Paddy. Oui. Ça, c'est le site partout dans le monde pour les plongeurs. On est vraiment content d'avoir perfectionné nos apprentissages. On se sent plus confiant quand on est dans l'eau. Oui, exactement. C'était pour ça qu'on voulait faire le cours Advance. Plus que moi, Véronique, on veut plonger partout dans le monde. On adore ça. On voulait sentir encore plus à l'aise ensemble pour être capable de répondre à toute éventualité. Mm. Puis là, on se sent vraiment confiant avec les plongées qu'on a faites à Curaçao. Si on vient d'upgrader là, notre niveau de confiance. La seule chose qu'on a réalisé, c'est qu'il faut s'équiper mieux. Pour sous l'eau avant la GoPro, quand on plongeait en apnée, les couleurs étaient très belles. Mais là, puisqu'on descend très cru à 60-70 pieds, et ça va nous prendre le meilleur équipement. On a acheté une lentille rouge que vous allez voir dans les prochains épisodes. Vous allez avoir une meilleure qualité, mais on veut encore acheter une caméra vraiment pour faire des images à couper le souffle. Parce que c'est tellement beau sous l'eau qu'on veut que vous soyez présent le plus possible. Et oui, on veut que vous voyez ce que nous, on voit. Ouais. Parce que les couleurs se perdent plus que tu descends en profondeur, moins que... tu vois de couleur. Mm. C'est sûr que ça va falloir s'équiper comme il faut là, pour vraiment vous allez vous chercher des meilleures images. Puis on tripe, moi, Véro, parce qu'on est privilégié de réaliser. T'sais, on réalise notre rêve en faisant le tour du monde, mais pendant ce tour du monde-là, on découvre d'autres rêves qu'on a envie de réaliser, comme la plongée. Ouais. Puis on s'est tout équipé aux Bahamas. Puis là, de pouvoir faire ça du bateau, d'être autonome, on est vraiment privilégié de rattacher un rêve à ce rêve-là. Un rêve, puis on va en rattacher plein d'autres, là. C'est ça qui est magnifique de cette vie-là. Et on retourne en plongée! Yes!
Véronique, elle a pris ses plus gros Lion à vie. Deux back-à-back. Ouais, ils sont vraiment gros. Je sais même pas si c'est lui le plus gros, là, mais... À mesure de la planche, on voit très bien. Ouais. On est à bord de Mowgli, qui nous accueille sur l'Arcata. On revient de notre deuxième plongée aujourd'hui. Alors, on a fait la Mushroom Forest, puis on a plongé directement derrière le catamaran. C'était super. On a vu une tortue. Deux? Oui, une en début de semaine, puis une aujourd'hui. Elle était super belle, les deux. Puis la deuxième, elle venait vers moi d'elle-même. On dirait qu'elle était vraiment curieuse. J'ai eu le temps d'ouvrir la GoPro, puis elle s'en venait vraiment vers moi. Véro, c'est une pêcheuse professionnelle. Combien de lions que t'as pêché? J'ai eu deux lions. Mais dans un court laps de temps, fait que Martine, elle me trouvait bien cool. Patrice aussi, évidemment, elle a pêché quelques-uns. Ouais, Patrice aussi, on va se faire un petit ceviche. Puis Yannick, ben, pour son premier, il a réussi à en pêcher un. Oui, un tout petit. C'est plus dur, les petits, dans le fond, là. Fait qu'on était fiers de lui. Oui, vraiment. Il n'a pas lâché. La semaine à Yannick et Martine est déjà terminée. Notre semaine de plongée pour notre cours. Ils sont en train de ramasser les derniers trucs qu'il y avait au centre de plongée. C'est tout le temps triste quand ça se termine. On va revenir. Mais oui, à chaque fois, hein, tu me dis. Puis ça va être... Peut-être là, ça va être sur Atypique 2.0. À la prochaine. À la prochaine. Là, je viens de réaliser qu'on vient de dire vraiment les deux. On essaie de corriger nos béquilles linguistiques. On dit trop vraiment. Ouais, vraiment. Je viens de le dire encore. Fait qu'on va améliorer notre vocabulaire. C'est ça qui arrive, hein? Mais, vas-y. Heureusement, on était d'avant. Attends, là, tu couperas au montage, là. Yannick, il dit, là, ça, on va couper. Je n'avais rien à dire. Tu vas, oui, madame, quand je parle. Faut que je parle. C'est bon. OK. Ça va davantage, madame. C'est la fin. Merci, Pat. Looper! Notre instructeur de plongée nous apprend à plonger, nous autres on y apprend à pêcher et regarder sa prise, mesdames et messieurs. Non, mais on rit, mais c'est dur parce qu'il faut que tu sois plus petit encore. Fait que c'est plus dur de pogner un tout petit. On est bien fiers de notre instructeur. C'est du win-win. On s'enseigne tout le monde. Qu'est-ce qu'on a vu? Dans Mushroom, on a vu l'espèce de tortue avec la. Oui, c'est vrai. Non. C'est aujourd'hui, Bloopers! Merci à vous tous d'avoir été présents et n'hésitez pas à mettre un j'aime si vous avez aimé cet épisode. On aimerait également remercier nos Patreons qui nous aident depuis le début et nos nouveaux Patreons cette semaine qui sont Daniel et Caroline, Denise Rock, Jenny Lord et Peggy Bloom. Merci! La semaine prochaine, on redevient des nomades. On quitte Spanish Water et on navigue jusqu'au beau mouillage de Santa Cruz. À la prochaine! Ah, ces humains! Ils marchent seulement sur deux pattes! Non. Ils me ralentissent avec leurs petits pas! Tu as peut-être fait le camp de base de l'Everest, Yannick, mais je suis beaucoup plus rapide que toi! J'ai escaladé un volcan en Guadeloupe, moi. Il ne veut rien comprendre. Je vais devoir le dépasser. Dès que je vois une ouverture, je tente ma chance. Voilà, c'est ici que je prends la voie de droite. Bye bye, Yannick. Bon, maintenant, à l'attaque de Martine. C'est une coriace. Elle a fait des marathons, cette femme. C'est beaucoup plus difficile avec Martine qu'avec Yannick. Elle court, elle, au moins. Il n'y a rien à faire, elle va beaucoup trop vite. Les enfants, n'oubliez pas d'aller faire de l'exercice. C'est bon pour la santé. Allez marcher dans le bois. Il n'y a peut-être pas de Wi-Fi, mais je vous garantis que la connexion va se faire. Ouais! Un énorme merci également à nos commanditaires, l'équipe de Jet Set Art pour le linge et bien sûr le Sharpie sur la coque et le génois d'Atypique, les gestions familiales Maurice Inc. pour l'iPhone 12 qui nous permettra de rester en communication avec notre famille, et Patricia des distributions D&Bert pour notre dinghy Caribe. Si vous aimeriez faire partie du projet Sailing Atypique, vous aussi, écrivez-nous!